Bonjour, je suis Nathalie Serornakash, pianiste concertiste, et je vous invite chez moi pour l'instant musique de Nathalie sur Tandem TV. La musique est tellement plus que de la musique. Elle nous accompagne dans nos vies, fidèle compagne, parfois bruyante, parfois rêveuse, parfois joyeuse. Les musiciens n'insufflent pas que des notes, des accords, des rythmes, ils communiquent une dynamique, un tempérament, une vision. Grâce aux vibrations des sons, ils pénètrent au plus intime de l'intime. Comme les marteaux d'un piano qui tape les cordes, les morceaux percutent et activent nos sentiments. Ils consolent, ils ébranlent, ils effraient, ils apaisent. Rien ne nous touche plus profondément ni plus vite que la musique. Des compositeurs comme Bach, Mozart, Beethoven, Chopin ou Debussy ne se réduisent pas à des fournisseurs de sons. Ils sont aussi des concepts comme Platon ou Kant. Dans leur musique, sous les idées, sous les structures, il y a quelque chose qui tient et qui porte le reste. Il y a les sentiments. La flèche de la musique arrive dans cet espace sensible, dans la pupe de l'esprit. Elle délivre davantage un message spirituel qu'un message intellectuel. Je dirais la musique avant les mots. Aujourd'hui, je vous propose un instant de musique avec Frédéric Chopin, le poète du piano. Thank you.
Un seul nom, Chopin. Et quelques notes résonnent au piano, quelques accords et arpèges extraits d'un nocturne, d'une valse ou d'un prélude. Un seul nom, Chopin, et tout le 19e siècle romantique semble reprendre vie. Né le 1er mars 1810 dans un village près de Varsovie en Pologne, Frédéric Chopin est né d'un père français et d'une mère polonaise. Dès l'âge de 6 ans, il commence ses études musicales avec le piano. Il se révèle très doué pour l'improvisation et pour la musique en général. Il compose ses premières pièces pour piano à 7 ans. Il se produit en public un an plus tard. Mais l'enfant prodige, contrairement à Mozart ou Beethoven, est protégé par sa famille qui tient à ce qu'il fasse d'abord de bonnes études. À 16 ans, en 1826, il complète sa formation à l'école de musique de Varsovie où il prend des leçons de composition et de piano. Et finalement, à 19 ans, il commence une carrière de concertiste. Il impressionne par ses improvisations et remporte ses premiers triomphes à Vienne, à Berlin et à Prague. C'est en découvrant le jeune Chopin que Schumann écrit dans un article élogieux son fameux « Chapeau bas, messieurs, un génie !» L'expression est restée célèbre. Chopin compose sans relâche pendant cette période. À 21 ans, il a déjà écrit ses premiers nocturnes et ses deux concertos pour piano. Au même moment, l'influence de Paganini sur les musiciens du 19e siècle est remarquable. Vous connaissez certainement son célèbre Caprice numéro 24 pour violon solo. Eh bien, le célèbre virtuose compositeur Franz Liszt va l'arranger pour le piano et il sera aussi adapté par les guitaristes. On surnomme Paganini le violoniste du diable tant sa virtuosité impressionne. Chopin, mais aussi Liszt, Schumann, Brahms, ils sont nombreux à prendre exemple sur le violoniste-compositeur. Concernant Chopin, il assiste pour la première fois à un concert de Paganini en 1829 à Varsovie. Il est époustouflé par la virtuosité du violoniste et il va se lancer dans la composition de ses redoutables et incontournables 24 études. Et là, je témoigne, les études de Chopin abordent tous les aspects de la technique virtuose pianistique et sont pour l'interprète un véritable défi. Un peu comme sortir l'expé Excalibur de son enclume. En 1831, à 21 ans, Frédéric Chopin quitte la Pologne pour faire connaître sa musique dans le monde. Il entreprend une tournée à Vienne, Munich et Paris. C'est à ce moment que l'insurrection éclate à Varsovie. Le peuple polonais se soulève contre la domination russe. Lorsque Chopin prend connaissance de la révolte, il a pour première idée de rentrer à Varsovie, mais le chemin du retour est semé d'embûches et sa santé est trop fragile. Voué à l'exil, Chopin sombre dans la mélancolie. Les nouvelles de l'insurrection polonaise le plongent dans l'angoisse. Il ne devait jamais revoir la Pologne. Cet éloignement du pays natal a sans aucun doute exacerbé le nationalisme du compositeur. Il compose la célèbre étude dite révolutionnaire. Thank you.
Lors de son périple, le jeune virtuose projette de se rendre à Londres, mais à Paris, l'accueil sera si chaleureux qu'il s'y fixe et ne partira en tournée en Angleterre que 17 ans plus tard, à la veille de sa mort. En raison du conflit avec la Russie, beaucoup de Polonais ont émigré à Paris. Le compositeur rencontre donc ses compatriotes, mais aussi d'autres personnalités du monde musical comme Franz Liszt et Félix Mendelssohn. Si Chopin devient l'un des musiciens les plus en vogue du Paris romantique, c'est grâce au fameux salon. Dans ces lieux intimistes, princes, barons et autres aristocrates se plaisent à recevoir les artistes et le beau monde. Introduit dans une réception de la famille Rothschild à l'âge de 22 ans, Chopin ne tarde pas à devenir la coqueluche de ces soirées sélectives. Grâce aux leçons particulières qu'il donne aux femmes et enfants de bonne famille, il mène lui aussi un train de vie mondain. Il soigne son apparence autant que la décoration de ses intérieurs et son appartement de la cité bergère est si bien meublé que ses amis le baptisent même l'Olympe en référence au domaine des dieux. Tout pour la musique. Chez Chopin, je dirais plutôt tout pour le piano. Depuis ses premières années d'études au conservatoire de Varsovie, Chopin n'a que le piano en tête et c'est à l'exploration de toutes les possibilités de cet instrument qu'il dédie sa vie. La quasi-totalité de ses œuvres sont donc écrites pour le piano. On est au 19e siècle en pleine révolution industrielle. On conçoit de nouveaux modes de fabrication pour les instruments. Les possibilités du piano sont améliorées. Il prend alors sa forme moderne. En 1836, Franz Liszt présente Chopin à l'écrivain George Sand. Or, quelques mois seulement avant de rencontrer George Sand, Chopin s'était fiancé avec Maria Wodzinska, une amie de jeunesse retrouvée au cours d'un voyage à Dresde. Les fiançailles sont on ne peut plus platoniques et romantiques, mais désapprouvées par les parents de la jeune fille. De ce mariage manqué, Chopin conservera une poignée de lettres et une valse, sa valse en la bémol majeur, dite valse de l'adieu, que vous entendez justement. George Sand et Frédéric Chopin sont arrivés dans la capitale française à quelques mois d'intervalle. Leurs destins sont parallèles. Tous deux sont en rupture avec le passé. Tous deux cultivent l'espoir de se faire connaître dans le monde artistique de Paris. On est à une époque qui pousse aux épanchements. En France, on parle de la mélancolie. En Angleterre, on disait le spleen et en Pologne, le zelzal. C'était donc très à la mode, c'est l'époque des grands romantiques échevelés. On est à l'époque de Victor Hugo, Alfred de Musset ou bien Chateaubriand, sur son rocher battu par le vent, etc. Et il y a évidemment de ça chez Chopin. On a toujours ce qu'on appelle l'air du temps qui imprègne un créateur. Mais Chopin va réussir, lui, à donner une vraie personnalité à ça. La relation amoureuse qui unit Frédéric Chopin et George Sand entre 1838 et 1847 est l'une des plus célèbres de l'histoire de la musique. Thank you.
George Sand, l'écrivain, est solaire, envoûtante, ambitieuse. Elle aime la vie, elle aime les défis. Chopin, lui, est un jeune compositeur polonais, ténébreux et colérique. Il met toute son âme dans chacune de ses notes. Il est un personnage dandy, romantique et inspiré. Tandis qu'elle se fait remarquer par ses provocations, ses tenues masculines et les cigarettes qu'elle ose fumer en public. C'est dans la maison de George Sand à Nohant, dans l'Indre, que Chopin composera ses plus belles partitions. Pendant près de 10 ans, elle va le prendre sous son aile. Elle cherchait un amant fougueux, elle s'attachera à un malade bronchitique. George Sand prend à cœur de le soigner et en novembre 1838, elle le convainc de passer l'hiver dans les Baléares sur l'île de Majorque avec elle et ses 2 enfants. Or, le climat méditerranéen s'avère peu confortable pour le fragile musicien. L'humidité est suffocante, les pluies torrentielles. C'est à ce moment que Chopin écrit son célèbre prélude numéro 15 nommé « La goutte d'eau » et dont George Sand écrira « Il y a un prélude qui lui vint par une soirée de pluie lugubre et qui jette dans l'âme un abattement effroyable. » La toux du compositeur se fait tellement violente que la population locale pense qu'il est atteint d'une maladie pulmonaire. Les habitants craignent la contagion, les médecins prédisent la mort imminente du compositeur et la petite famille se voit finalement forcée de terminer son séjour loin de tout et loin de tous. Dans un ancien monastère, Chopin reprend peu à peu du poil de la bête. Et au début de l'année 1839, il est de retour en France. 2 ans plus tard, au printemps 1841, Chopin affaibli donne de nouveau un concert magistral à Paris, chez Pleyel, concert que son ami Franz Liszt commente le lendemain dans la Gazette musicale. Mais Chopin n'apprécie pas de jouer en public et il ne donnera plus de concerts dans les années suivantes. George Sand, agacé, décrit cette grande timidité du compositeur dans l'une de ses lettres. Il ne veut pas d'affiches, il ne veut pas de programme, il ne veut pas de nombreux publics, il ne veut pas qu'on en parle, il est effrayé de tant de choses que je lui propose de jouer sans chandelle, sans auditeur et sur un piano muet. Si je peux me permettre un parallèle, pour moi, Liszt et Chopin, c'est un peu Mick Jagger et John Lennon. On a d'un côté Franz Liszt qui multiplie les concerts à travers l'Europe, dans des salles combles et devant un public déchaîné. On raconte même qu'il portait des habits des plus extravagants avec des bagues luxueuses aux doigts. Et de l'autre côté, on a le fragile Chopin qui mène une existence sédentaire à Paris. La scène, les spectateurs en délire, très peu pour lui. Non seulement il souffre d'un trac terrible, mais il privilégie en plus un style de jeu tout en douceur et en subtilité. Tout au long de sa courte carrière, Chopin se produira bien quelquefois en public, dans de grandes salles à Varsovie, Vienne ou Paris. Mais le pianiste se trouve définitivement plus à son aise dans la chaleur et l'intimité des salons où il peut donner toute la mesure de sa sensibilité, de sa fougue mêlée de délicatesse. Il préfère jouer pour ses amis au cours des nombreuses soirées passées dans son appartement de la rue Pigalle. Et lors de ces soirées privées seront présents de grands artistes tels que Sainte-Beuve, Delacroix ou Berlioz. Chopin posait ses mains sur le clavier et commencer par de légers arpèges en glissant sur les touches du piano jusqu'à ce qu'il trouve la tonalité reflétant le mieux l'ambiance générale de la soirée. George Sand nommait cette tonalité la note bleue. Cette note était pour Chopin la base de ses improvisations, variations ou encore le choix d'une de ses œuvres dans la tonalité correspondante. Schumann nous rapporte qu'après avoir joué, Chopin avait comme une manie de faire glisser rapidement sa main sur le piano de gauche à droite, comme pour effacer le rêve qu'il venait de créer. Hector Berlioz dira sur Chopin, « Comme exécutant et comme compositeur, il est un artiste à part. Son exécution est marbrée de 1000 nuances dont il a le seul secret et qu'on ne saurait indiquer sur une partition. Il exécute des mazurkas avec le dernier degré de douceur,
les marteaux effleurant à peine les cordes, tellement qu'on est tenté de s'approcher de l'instrument et de prêter l'oreille, comme on ferait un concert de sif et de follet. Mais chaque hiver est une épreuve pour le musicien. Son état général est de pire en pire. Chaque jour, la maladie l'affecte davantage. George Sand s'occupe énormément de lui durant cette période. La romancière voit se révéler en elle son côté maternel. Chopin a 38 ans, il est dans les deux dernières années de sa vie. Le compositeur accepte finalement d'effectuer une tournée en Angleterre en 1848, malgré un état de santé alarmant. Le 16 novembre, il se rend à un concert de charité à Londres. La forte pollution par le charbon de cette ville n'est pas favorable à son état de santé. Il devra faire des efforts surhumains pour assurer sa prestation. Chopin rentre à Paris gravement malade, mais il doit continuer à donner des leçons pour payer les nombreux frais entraînés par sa maladie. Il meurt en 1849 de la tuberculose à son domicile parisien, place Vendôme, à seulement 39 ans. Son corps est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, mais selon ses désirs, son cœur repose à Varsovie. L'influence de Chopin fut immense. Avec Liszt, il est le père de la technique moderne du piano et il est à l'origine de toute une lignée de compositeurs comme Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Claude Debussy, Sergei Rachmaninoff ou Alexandre Scriabine. Sa musique est encore aujourd'hui l'une des plus jouées et demeure un passage incontournable pour tout pianiste. Dans le domaine de la variété, nombre d'auteurs de chansons comme Barbara lui doivent beaucoup. Certaines reprennent même franchement sa musique, comme Gainsbourg avec Lemon Incest, basé sur l'étude numéro 3, surnommée Tristesse. Musicien de tous les extrêmes, Chopin laisse au pianiste un héritage considérable, très diversifié et même parfois d'une difficulté inouïe. Valse, mazurka, prélude, ballade, les concertos, les variations, les 24 études bien sûr, qui sont un passage obligé pour chaque virtuose. Chopin sera toujours le personnage romantique associé au piano, le poète du piano. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Laissez-moi vos commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt sur Tandem TV pour un nouvel instant musique de Nathalie.